Jean, vous êtes bien à l'écoute des programmes de 48FM et voici venu le moment de retrouver les inspecteurs des riffs. Avec ce soir le volume 51 et autour de la commissaire de cette émission, Stella. Coucou Stella. Bonsoir. Voilà, nous avons dans l'ordre d'apparition pour ce soir, pour la maison du rock, Itou Bernard. Hello Bernard. Bonsoir. Nous avons pour la maison du jazz, Jean-Paul. Salut. Bonsoir. Jean-Paul. Coloré. Et puis toujours entre les deux, son cœur balance, Stéphane. Eh oui, mon cœur balance, mais c'est déjà une musique, c'est déjà du rythme, hein, le cœur qui balance. Exact. Et puis Charline pour la section cinéma de la Maison du Jazz. Salut Charline. Bonsoir. Voilà, et alors évidemment on va attaquer, évidemment personne ne le sait, mais on va attaquer avec toi Bernard et tu vas nous déflorer le thème de ce soir. Oui, le thème c'est jaune. J'y ai pensé parce que c'est le volume 51 et donc j'ai pensé au petit jaune. Et puis volume c'est aussi un volume de 51 et 4 ou 5 volumes d'eau, je ne sais plus. Donc je vais commencer par un morceau très jaune avec des japonaises qui chantent des chansons chinoises qui parlent de bananes et de tournesol. Donc là, je suis vraiment en plein dedans. C'est les Shonen Knife, c'était un trio donc, de japonaises qui ont connu le succès plutôt en émigrant aux États-Unis et qui ont été un peu les petites protégées de Nirvana. Je pense même qu'elles sont venues jouer à Liège. À l'escalier, ouais. Ouais, ouais, ouais. Elle s'était formée en 81 et là on va écouter un morceau qui s'appelle donc Chinese Song, qui était sorti sur l'album Strawberry Sounds, sorti en 2000. Formée en 81, c'est ça que tu disais? C'est ce que j'ai dit. Ouais, 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 c'est exactement ça. Let's go avec les Shonen Knives. Ouais. Chinese Song par les Shonen Knife. Oui, on reparlera un peu de bananes un petit peu plus tard dans l'émission, parce qu'il a fallu trouver quelques artifices pour trouver en jazz des thèmes autour de ce mot jaune. On va d'ailleurs commencer par un morceau qui n'est pas vraiment un morceau de jazz, mais c'est un morceau qui nous ramène au berceau du jazz, à la Nouvelle-Orléans. Et à la Nouvelle-Orléans, on n'est jamais très loin, évidemment, du jazz. Vous savez que dans aujourd'hui encore, dans la Nouvelle-Orléans, d'après Katrina, il y a tout un bouillonnement musical où il n'y a pas seulement du jazz, il y a beaucoup de soul, beaucoup de rhythm and blues, du hip-hop, du rock, un petit peu de tout. Occasion de répéter encore une fois qu'il faut absolument regarder impérativement la série Trémé, les quatre coffrets de DVD, c'est une merveille à la fois comme série TV et comme document sur la musique. Et le groupe qu'on va écouter, c'est justement un groupe qui mélange un peu tout ça, il y a même des petits accents reggae par moment. C'est un des groupes qu'on voit d'ailleurs dans la série en question. Il y a beaucoup de familles de musiciens à la Nouvelle-Orléans, on a déjà souvent parlé des Marsalis, mais là c'est la famille des Neville, les Neville Brothers. Alors voilà, on va avoir 4 ou 5 Neville pour le prix d'un. C'est un morceau
morceau qui vient d'un de leurs premiers albums en 89 qui s'appelait, enfin le morceau s'appelle Yellow Moon, et on a donc Aaron Neville au chant et notamment, et un petit solo de sax de Charles Neville pour ce morceau typiquement orléanais, Yellow Moon. Et un concert inoubliable à l'ancienne Belgique. Voilà. Je n'ai jamais vu une complicité entre musiciens comme cela. C'était extraordinaire. Yellow Moon, Neville Brothers. Eh bien, je vais poser principalement la question à mon ami Bernard, alias Jean Purefraise. À votre avis, quel est le légume ou le fruit jaune qui figure sur une des plus célèbres couvertures de la rock music? Oh, je dirais une pastèque. Eh bien non, ce n'est pas une pastèque. Il y a un auditeur ici en ligne qui vient de me dire. C'est une banane, la fameuse banane. Dans la banane Warren, des gens heureux. Le premier disque du Velvet Underground. Et alors attention, quand on l'épluche... Ouh là là, tu vas mimer. Ce n'est pas jaune, c'est rose.
Voilà, eh bien, vous n'allez pas entendre Velvet Underground. C'est pour ça que je me suis dit... Je me suis dit, bon, il faut apporter un peu de couleur et de plaisir sensuel, de nourriture, quelque chose. Alors j'ai pensé au navet jaune, mais bon, pamplemousse, c'est jaune. J'ai pensé aux carottes jaunes, j'ai pensé aux courgettes jaunes, qu'on trouve maintenant dans beaucoup de magasins. Le citron qui va souvent de pair avec Madame l'Orange. Et puis l'ananas, ah l'ananas. Et j'avais d'ailleurs une très belle chanson grivoise, très grivoise avec l'ananas, mais je l'ai déjà passé en son temps. Alors, je suis revenu avec de la banane. C'est une légèreté française, c'est presque du théâtre, c'est quelque chose d'extraordinaire et ça s'appelle tout simplement « Vive la banane » et ça ne date pas d'hier, c'est Réventura et c'est collégien. Alors, quand même, écoutez ça et de toute manière, je suis certain que quoi que vous fassiez, quoi que vous sentiez, vous allez être irrémédiablement de bonne humeur. Voilà. Noisette, bonbon acidulé, cacahuète, caramel. Hé, garçon. Monsieur. Vous n'avez pas de banane. Non, monsieur, nous n'avons pas de banane. Bah, qu'est-ce que vous avez alors? Pistache salée, amande, noisette, bonbon acidulé, cacahuète, caramel. Oh, j'aime pas les noisettes, on s'y casse les dents. Vive les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. J'aime pas les sucettes, les bonbons fondants. J'aime les bananes, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Les dieux de l'ancien temps aimant la fantaisie à tout autre aliment préféré l'ambroisie. Ah ben moi je veux bien vous croire, mais en attendant, vive les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Aime les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Tous les hommes de science, même les plus pédants, aiment les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Même les plus inconnus parmi les hommes célèbres apprécient les vertus de ce fruit sans vertèbres. Les plus grands ministres, même les présidents, aiment les bananes parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Je n'aime pas les asperges, c'est intimidant, vous ne trouvez pas? Oh, que si! Et on ne sait jamais par quel bout les prendre. J'aime les bananes parce qu'elles n'ont pas le goût de la cannelle. Et je déteste la cannelle. Et toi, Jean-Pierre, aimes-tu les bananes? Non. Et pourquoi donc? Eh, dame, parce que le goût ne m'en plaît point. Oh, et puis comme couleur, les épinards sont tellement plus ravissants. Et toi, Dudule, tu les aimes, les bananes? Oh oui. Et pourquoi donc? Ah ben, parce qu'il n'y a pas d'os dedans. Proche du cabaret, du café-théâtre, c'était l'irrésistible Réventura et ses collégiens, soit la musique populaire peut être vraiment des petits coups de génie, une ambiance. Et le morceau s'appelait « Vive les bananes ». Alors les bananes aussi, c'est par exemple, eh bien, c'est Tarzan, les bananes aussi. Et qui dit Tarzan dit cinéma, et qui dit cinéma dit « Maintenant, voici la spécialiste du cinéma qui vous parle ». Et je tends déjà une pochette jaune pour illustrer ses propos. C'est à vous. Oui, donc voilà effectivement une superbe pochette pour le film Kill Bill de Quentin Tarantino, sorti en deux volets en 2003 et en 2004. Donc dans ce film, Uma Thurman porte une superbe combinaison jaune qui rappelle celle de Bruce Lee en fait dans Le jeu de la mort en 1978. Moi, il y a une scène particulièrement que j'aime beaucoup dans le film, c'est la scène du combat de la Villa des Feuilles Bleues. Où donc Uma Thurman virevolte dans sa combinaison jaune. Et pour la petite histoire, il faut savoir que la scène qui dure 20 minutes, donc avec combat dans les airs, etc., a été filmée en 8 semaines quand même, pour 20 minutes de film. Donc
voilà, pour info. BO éclectique comme d'habitude chez Tarantino, difficile de choisir. Et ici, j'ai choisi Johnny Cash avec Satisfied Mind sur le Kill Bill, mais volume 2. Parce que c'est Johnny Cash, évidemment. Parce que c'est Johnny Cash, Jean-Paul. Oui, on attend Johnny d'ailleurs, de nouveau avec un lecteur CD récalcitrant. Donc on va faire passer Johnny de l'autre côté. Dans ce film. Oui, oui, tout à fait. Est-ce que Johnny est là ? The 5, 6, 7, 8. Waouh, joli. Et etc., je crois, je sais plus. Meublons encore un peu. C'est y part ? How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Once I was winning in fortune and fame, everything that I dreamed for to get a start in life's game. Then suddenly it happened, I lost every dime. But I'm richer by far with a satisfied mind. Money can't buy back your youth when you're old, or a friend when you're lonely, or a love that's grown cold. The wealthiest person is a pauper at times, compared to the man with a satisfied mind. When life has ended and my time has run out, my friends and my loved ones believe there's no doubt. But there's one thing for certain, when it comes my time, I'll leave this old world with a satisfied mind. How many times have you heard someone say, if I had his money, I could do things my way. But little they know that it's so hard to find one rich man in ten with a satisfied mind. Voilà, c'était Johnny Cash sur ce... Et la le BO... silence qui suit Johnny Cash, c'est toujours du c'est Johnny un moment Cash. De recueillement. Donc sur la BO de Kill Bill. Voilà, je passe la main à Jean Pur. Voilà, jaune, c'est aussi la couleur du maillot de l'équipe de football du Brésil. On est en plein dedans. On est en plein dedans quand même. Au revoir, à la semaine prochaine, au mois prochain. Et j'espère que tout ira bien pour vous et je vous souhaite une longue carrière. À bientôt. La prochaine couleur qu'on fera, ça sera vert. J'ai des disques pour vous. Le grand corps malade est au Brésil, Bernard. Oh, le pauvre. Jean Constantin, quelqu'un qui a composé beaucoup de chansons, c'est quand même quelqu'un. Un très bon compositeur qui avait notamment écrit une chanson. Sur ce point de vue-là, je dis oui. Ouais, bah, une chanson pour Edith Piaf, Mon manège à moi. Enfin, moi, ça me. Mon manège à moi, mon truc en plume. Enfin, bon. Mon truc en plume, et également qu'il a écrit, enfin bien des choses. Voilà, et il a aussi écrit On m'appelait Pelé, qui est une magnifique chanson. Rassurez-vous, elle ne dure pas très longtemps pour ceux qui n'aiment pas. Caída para Tustão, vai Tustão, abriu na ponta esquerda, pelota Paulo César, recebeu o ponteiro, caminhou outra vez, o Tustão na entrada da área perigosa, passou pelo Bob Moura, entrou na área, bateu o raio, correu, cruzou para Pelé, ajeitou para Jair, vai marcar, gol!
ma volée-pole et l'Apollon, le Napoléon du football, le champion du ballon. Coup franc. Quand je descendais la balle au pied, que j'avalais tous les arrières, tous les demi, tous les inters. Corner. Que je me faufilais dans la surface de réparation pour ajuster de près mon tir meurtrier. Mi-temps. Tous les mecs loufis, les mecs loufoques, les Ben Barek, les Ben Barok, les Kopaski, les Kopaskop, les Bobby Moore, les Bobby Moore, les footballeurs, les footballeurs, les 8, les 9, les 10, Stéphanov. Me prenait pour Pelé l'Apollon, le Napoléon du football, le champion du ballon rond. Sorti. Mais un jour moins Pelé l'Apollon, le Napoléon du football, le champion du ballon rond. Penalty. Alors que je driblais la balle au pied, je suis tombé sur une paire d'arrière échappée des folies bergères. Mi-temps. Et depuis ce jour maudit, je n'ai jamais plus marqué un seul but qu'aux danseuses de petite vertu que je rencontre à gauche à droite et on ne m'appellera plus que Pelé Pelé la patate. On m'appelait Pelé par Jean Constantin. C'est effectivement en fin de carrière, en 1970, qu'est sorti ce morceau. Je ne saurais trop vous conseiller quand même Les Pantoufles à Papa de Jean Constantin. C'est un chef-d'œuvre. Bon, oui, je l'ai déjà passé cette émission. Et alors, je rappelle toujours que les paroles sont de Claude Nougaro. Ah oui, oui. D'accord. Je me demande s'il n'y a pas déjà eu ce débat il y a quelques temps dans cette émission. Bon. Alors, oui. Bon. Ah. Tout petit peu différent, on va remonter dans les années 20 et on va écouter une petite séquence très blues. Bon, ça n'est pas là, mais on va lui piquer un petit morceau de Bessie Smith. Et après, donc, on a déjà eu quelques éléments qui étaient peints en jaune. On va avoir un chien jaune maintenant, Yellow Dog Blues. En fait, c'est pas du tout une histoire de chien, Yellow Dog Blues. Yellow Dog, c'était le nom d'une ligne ferroviaire dans la région du fleuve Yazoo. C'était, je crois, la Southern Yazoo. Je ne sais plus, bon, peu importe, un nom de ligne ferroviaire, Railroad, voilà. Et en fait, WCND, donc, qui est le compositeur, un des premiers compositeurs de blues, qui avait fait le St. Louis Blues, a entendu au début des années 10 un hobo, on avait parlé des hobos il y a quelques temps dans l'émission sur les trains, qui chantait cette chanson, une chanson d'amour, mais liée au voyage en train. Et il avait trouvé ça intéressant, et il l'avait repris, il l'avait édité en 1912. Et on va écouter, il y a eu plein de versions, instrumentales ou chantées, on va écouter une des premières versions très connues, celle de Bessie Smith, donc 1925, avec tout un tas de gens qui l'accompagnent. C'est pas Louis Armstrong, celui qu'on va écouter, c'est Joe Smith, qui était vraiment le cornettiste préféré de Bessie Smith. Yellow Dog Blues, 1925. Fills my heart with glee.
Merveilleuse Bessie Smith, Yellow Dog Blues, 1925. Alors le jaune dans l'Antiquité était une couleur plutôt appréciée. Les Romains ne dédaignaient pas de porter des vêtements de cette couleur. En Asie, en Amérique du Sud, le jaune a toujours été valorisé. En Chine, il fut longtemps la couleur réservée à l'empereur. Mais voilà, en Occident, il en est tout autre. Je ne vais pas vous expliquer exactement toutes les raisons, mais disons qu'en Occident, dans le monde des couleurs, le jaune est l'étranger, la patrie, celui dont on se méfie et que l'on voue à l'infamie. Jaune comme les photos qui pâlissent, comme les feuilles qui meurent, comme les hommes qui trahissent. Jaune était la robe de Judas. Jaune, la couleur que l'on mettait sur une étoile pour désigner les Juifs pendant la guerre. Et déjà pendant la guerre 40-45, et la légende raconte qu'un jeune garçon, quand était distribué à Paris ces étoiles jaunes de la famille, il était le premier à en demander une. C'était Serge Gainsbourg, ce que certains biographes racontent. Et dans un 33 tours très étrange qui s'appelle Rock Around the Bunker, qui raconte les dernières heures d'Adolf Hitler, eh bien Serge Gainsbourg a écrit une étoile jaune que lui seul, je pense, pouvait écrire, parce qu'il est évidemment juif d'origine. Ben voici le Yellow Star de Serge Gainsbourg. J'ai gagné là. Et sur cette inscription fond jaune vif, il y a un curieux hiéroglyphe. Sur cette Yellow Star, Yellow Star, j'ai gagné là. Yellow Star, et sur cette Yellow Star, il y a peut-être marqué Sheriff, ou Marshall, ou Big Chief. Sur cette Yellow Star, Yellow Star, j'ai gagné là. Je porte la Yellow Star. Difficile pour un juif, la loi du struggle for life. Quand il a la Yellow Star, Yellow Star. Oh yeah. Incroyable œillet qui ponctue cette fantaisie sur une étoile pourtant sinistre. L'étoile jaune, Serge Gainsbourg, tiré de l'album Rock Around the Bunker. Nous allons passer à d'autres climats et je vois des choses étranges qui bougent. Jaune, ça peut être aussi une couleur de cheveux. Ah voilà, la blonde au coin de la rue, c'est elle. Voilà, et donc aussi même un patronyme pour une certaine Blondie. Alors on va écouter Atomique de Blondie. Vous savez que j'ai été longtemps fiancé à Blondie, mais que ah, il n'est pas pénible puisque ça s'est terminé. Et donc là, on était en 1980 sur l'album Eat to the Beat. C'est un morceau qu'on retrouve dans la BO du film CBGB de Randall Miller. Donc je ne sais pas si vous connaissez le CBGB. Oui, oui. Ah ça, j'en peux le connaître. Non, ça, c'est le club. Les Ramones. J'allais les voir toutes les semaines. Donc club, célèbre club new-yorkais qui a été ouvert en 73 et qui a fermé ses portes en 2006, donc après plus de 30 années d'activité. Son nom complet c'est le CBGB and Homefug. Ça veut dire c'est le sigle en fait pour Country Bluegrass Blues and Other Music for Uplifting Gormandizer. Donc c'est en français c'est uplifting. Country Bluegrass Blues et autres musiques pour gourmandiseurs raffinés. Voilà. C'est ce que c'était au début.
Oui. Et au puis, début, ça a commencé à sentir drôlement et tout, etc. Et on a eu l'idée de passer des groupes moderne. Ouais, mais voilà, donc au début c'était un peu le fief de Patti Smith entre autres, des Talking Heads, des Ramones, et aussi notamment de Blondie qu'on retrouve ici avec Atomic. Voilà, donc nous venons d'entendre l'ancienne amoureuse de Monsieur Stéphane Dupont, Blondie.
sur, pour la BO du film de CBGB de Randall Miller. Le mois passé, je vais passer un morceau de The Yellow Moon Band, parce que le thème, c'était la lune. Et comme le thème c'est jaune et que dans Yellow Moon il y a aussi jaune, je me permets de passer un deuxième morceau de cet excellent groupe anglais. C'est un petit peu psychédélique sur les bords. C'était un groupe formé en 2007 et ils ont sorti un album en 2009. L'album s'intitule Travels into Several Remote Nations of the World. Et le morceau que nous allons entendre c'est Maybach. Maybach par The Yellow Moon Band. Tout l'album est comme ça, de cet acabit sans parole, instrumental. Mais c'est aussi un instrumental qu'on va écouter maintenant. On va faire une petite séquence, une mini-séquence canadienne. Avec, on va écouter la pianiste et chanteuse Patricia Barber, mais on va l'écouter justement ici en instrumental. Ce sont plutôt ses talents de pianiste qui sont mis en avant dans un morceau qui s'appelle Yellow Car. Mais avant ça, on parlait tout à l'heure de la série de série TV de Trémé. Et vous savez que maintenant, il y a aussi les web-séries qui envahissent les ordinateurs. Et on annonce pour la fin de ce mois une nouvelle web-série canadienne qui s'appelle, ça ne s'invente pas, on ne peut pas passer à côté, qui s'appelle Les Jaunes. Et Les Jaunes, c'est une série à la fois d'horreur et un peu de comédie en 10 épisodes qui raconte l'histoire d'un toujours un petit village sans histoire au départ dans ce genre de choses. Et puis, il y a des gens un peu spéciaux qui arrivent qui ont le cerveau jaune. Et donc là, la suite à l'écran de l'ordinateur. Donc on va écouter un petit bout du trailer de cette série et puis on écoutera Patricia Barber, Yellow Car. Camarades, la quête du Dragon Born se poursuit par-delà cette forêt. Oh, il est vraiment con quand il est avec eux. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse. Mm-hmm. Vous êtes 7 minutes en retard, hein? Puis, t'as pissé de la loupe faire? Ma mère. Mia? Je sais que t'es un chum pis tout, mais... We'll be right back.
Patricia Barber, Yellow Car, et le guitariste s'appelait John McLean. Eh bien, je vais continuer à vous raconter la belle et fascinante histoire du jaune maléfique. Alors, je vous rappelle qu'à la fin de la guerre, c'était la naissance de la très belle bande dessinée de Victor Hubinon et de Jean-Michel Charnier, Bug Danny. Mais dans Bug Danny, il y avait toute une série d'expressions que je pense qu'on a gommées. Les faces de citron, par exemple. Voilà, exactement, avec toute une série d'épithètes. Alors plus tard, dans le show, nous avons ici, j'ai apporté plusieurs images, et les images passent bien à la radio, nous avons ici Bob Moran avec la célèbre Ombre jaune, qui est aussi un Asiatique, un monsieur Ming, être maléfique. Mais attention, dans le domaine du jaune, voici un jaune totalement et uniquement belge. Il s'agit de Blake et Mortimer et de la marque jaune. Alors sur la pochette de ce disque, on voit cette silhouette, la grimaçante, sardonique, avec un rire digne de Fantomas, et tous les personnages sont envoyés en l'air par un courant mystérieux. Alors la marque jaune, c'est la date de... Je parle du disque, c'est la date de l'époque où énormément de bandes dessinées sortaient en disque, qu'on passait quelquefois à la radio ou qu'on achetait et qu'on écoutait en famille. C'est du théâtre radiophonique, mais quand même très très bien fait, avec du rythme, des sons, des ambiances. Et nous allons écouter presque religieusement, le soir, c'est la belle heure pour raconter les histoires, un épisode de La Marque Jaune. Vous avez tous lu La Marque Jaune. Bien sûr. Oui, je vois une personne de nationalité française qui n'a pas lu La Marque Jaune. Cela ne fait rien, nous continuons. Donc, Blake a un rendez-vous avec un mystérieux inconnu qui va lui dire ce qu'il sait de La Marque Jaune. Mais attention,
n'est-ce pas un piège ? Il a rendez-vous dans un lieu déserté d'un quartier des docks bombardés jadis par les Allemands et les V1. C'est désert, c'est un hangar noir. Il entre dans le hangar, il est en communication avec le major Kendall de Scotland Yard. Et pendant ce temps-là, Mortimer, lui, a trouvé un indice, une piste étonnante qui concernerait peut-être le docteur Septimus. La suite, fermez les yeux à l'écran sonore. Allô, Kendall, ici Black. Kendall à Black, bien sûr. Parlez. Je longe le quai désert, c'est sinistre. Des grues, des pontons, des rails, tout ça dans le brouillard. Ah, j'arrive à une grille. Elle est ouverte. Je suis maintenant à 20 mètres du hangar. Je suis à 10 mètres. Allô, Scotland Yard ? Ici le professeur Mortimer. Il faut absolument joindre par radio l'inspecteur chef Kendall et faire stopper l'opération en cours. Mais professeur... Peut-on mettre une voiture radio à ma disposition ? Ce sera très difficile. 12 voitures sont déjà engagées dans l'opération. Il faudrait attendre. Non, c'est une question de seconde. Le capitaine Black est en danger de mort. Allô Kendall, ici Black. Je suis dans le hangar. Mes yeux s'habituent à l'obscurité. Attention, je vais lancer l'appel. Mr. Smith ! Ah, une petite lumière vient de s'allumer au fond du hall. Je vais m'approcher. Ah, voilà, je suis au bas d'un escalier. Par ici ! Ah, on vient de me héler. Je vais monter. Je ne pourrai plus parler maintenant. Terminé. Black monte les marches. Il monte toujours, sans voir tout en haut du hangar un immense palan suspendu par une grosse corde. Une main criminelle commence à couper la corde. Black avance, avance. Il va passer sous le palan. Allô, allô. Scotland Yard à inspecteur Kendall. Stoppez immédiatement opération. Capitaine Black en danger de mort. Quoi ? Bon sang ! Black ! Allô, Black, attention ! Sauvez-vous ! Black a entendu. Il a reculé, juste à l'instant où le palan s'écrasait au sol. Courage, Black ! Nous arrivons ! La barque jaune, là-haut ! La verrière est effondrée, il va s'enfuir par le toit ! Arrêtez ! Projecteur un peu à droite, vite ! Ça y est ! J'en arrive sur le toit. Victoire ! Il ne va pas sauter. Il est fou. La passerelle est 10 mètres au-dessous. Il a craqué. Il se rattrape. Oh, mais c'est le diable. Il file sur la passerelle vers le ponton grue. Nous le tenons. Kendall à toutes les voitures. Convergez vers le ponton grue immédiatement. Allez, montez vite à l'assaut. Prenez le vivant. Il n'y a plus aucune issue, Black, nous le tenons. Ne triomphez pas trop vite, Kendall. Mais voyez, il est fait comme un rat. Oh, il saute dans le fleuve, mais c'est un suicide. Vous avez vu ? C'était clair. Et tout le monde cloué au sol. Allô ? Les vedettes en action immédiatement. Les autos, les motards, répartissez-vous le long de la berge. Un homme tous les 10 mètres, vite ! La marque jaune a réussi à reprendre pied sur la rive et à s'emparer d'un véhicule immatriculé LL321 qui fonce vers Londres en direction de Cable Street. Kendall à tous les postes routiers. Kendall à tous les postes... Un extrait de l'œuvre impérissable d'Edgar P. Jacobs, La marque jaune, dans une réalisation radiophonique de Jean Morel, avec Jean Topard dans le rôle du capitaine Black et dans le rôle du professeur Mortimer, Yves Brinville. Il y a également... Oh, je ne vais pas tous vous les citer. Et malheureusement, celui qui a composé la musique n'est pas indiqué sur le disque. C'est bien dommage. Alors, c'était le beau temps où, en radio, on pouvait faire des choses assez captivantes. Et voilà, nostalgie. Et je trouve que ça passe pas mal. Et le fait que c'est un peu vieillot, eh bien, ça donne
Ça donne quelque chose, un petit goût particulier. Alors je vous le dis tout de suite, n'ayez pas peur, ça va bien se finir, parce qu'à la fin de l'album, ils vont retrouver les diadèmes de la couronne et ils vont les rendre à la reine d'Angleterre parce que la marque jaune avait volé. Donc, pas d'inquiétude. C'est un happy end, super. Alors moi je vais faire, ici dans ce film-ci, ce ne sera pas un happy end, on va faire un petit clin d'œil au dernier morceau que Jean-Paul a passé, Yellow Cab. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Oh, un taxi jaune. Un taxi jaune. Un conducteur de taxi. Voilà. Donc je ne pouvais pas ne pas passer encore un morceau de Taxi Driver. Donc aussi du jaune pour la Palme d'Or qu'il a remporté en 1976. Donc Taxi Driver de Martin Scorsese. Musique de Bernard Herrmann, qui est décédé avant la sortie du film et donc auquel Scorsese a dédié le film. Pour la petite anecdote aussi, De Niro était tellement investi dans ses rôles, donc la méthode Actor Studio, qu'il a passé sa licence de taximan à New York. Donc il avait sa vraie licence professionnelle. Ah, et il a pratiqué recycler, pendant 15 jours. Donc là, maintenant, s'il a envie, il peut peut-être encore effectivement se recycler. Donc on écoute ici un petit morceau de la BO. Le morceau s'appelle « I Still Can't Sleep ». Mm-hmm.
May 10th. Thank God for the rain. Just helped wash away the garbage and the trash off the sidewalks. I'm working long hours now, 6 days a week, sometimes 7 days a week. It's a long hustle, but it keeps me real busy. I can take in $350 a week, sometimes even more when I do it off the meter. Voilà, c'était la douce voix de Robert De Niro dans son Taxi jaune, Taxi Driver 1976, Martin Scorsese. Quelle belle voix, hein, c'est ouais. Ça envoûte. Mais à propos de belle voix, justement, je vais passer un morceau de Ken Nordine, qui est plus connu aux États-Unis pour sa voix que pour son visage, et qui, je pense, de ce côté-ci de l'Atlantique, n'est moins connu, on va dire. C'est quelqu'un qui a fait toute une série d'albums parlés sur des fonds musicaux. Il a aussi fait beaucoup de voix pour la publicité. Et en 1967, il a carrément sorti un album consacré aux couleurs. Et je vais passer le numéro 4 de cet album, intitulé sobrement Yellow. In the beginning, oh, long before that, when light was deciding who should be in and who should be out of spectrum, yellow was in trouble, even then. Seems that green, you know how green can be, didn't want yellow in. Some silly primal envy, I suppose, but for whatever cause, the effect was bad on yellow and caused yellow to weep yellow tears for several eternals before there were years, until blue heard what was up between green and yellow and took green aside for a serious talk, in which blue pointed out that if yellow and blue were to get together, not that they would, but if they did, a gentle threat, they could make their own green. Oh, said green with some understanding. Naturally, by a sudden change of hue, green saw the light and yellow got in. Worked out fine. Yellow got lemons and green got limes. Voilà Ken Nordine qui nous parlait du jaune sur cet album Colors où il y a 54 morceaux, 54 couleurs avec certaines déclinaisons. Et notamment, il y a aussi le doré, j'aurais pu passer ce morceau-là. Et à chaque couleur, il raconte une petite histoire. Voilà. Eh bien, moi, je propose que si nous continuons cette saga des couleurs, vous reveniez avec ce disque, je trouve. Eh bien, merci. Pour 57 émissions, quoi. On est là pour 57. Là. Voilà, 57 émissions. Ah ouais, c'est parfait. C'est beau. C'est tout à fait la voix des bandes-annonces de films américains. Ouais, ouais. Chaque fois, glace et donne envie de voir le film. Et quelquefois, mieux vaut ne pas aller voir le film. Alors, la voix suivante, ce n'est pas une voix de ce genre de voix américaine-là. Il y a une déclinaison du jaune qu'on n'a pas encore... Bien que Stéphane l'ait quand même plus ou moins mentionné tout à l'heure, on n'a pas encore beaucoup parlé d'une nuance de jaune qui était le jaune cocu. On ne pouvait pas passer à côté quand même non plus, évidemment, dans la mesure où Brassens a été indispensable dans cette histoire. C'est quand même le spécialiste de ce genre de chansons. Il a fait des chansons dans les deux sens, d'ailleurs. Hein. Il a fait des chansons qui étaient la chanson du mari trompé, mais aussi celle de celui qui s'occupe de rendre les maris cocus. Et on va écouter une des chansons je crois que c'est le cinquième ou le sixième album, c'était sur le pornographe, ça s'appelle tout simplement Le Cocu, et c'est très très belle chanson, comme toujours, superbement ciselée. Georges Brassens, 1958, Le Cocu. Comme elle n'aime pas beaucoup la solitude, cependant que je pêche et que je m'en oublie, ma femme sacrifie à sa vieille habitude de faire à tout venant les honneurs de mon lit, de faire à tout venant les honneurs de mon lit. Et oui, je suis cocu, j'ai du cerf sur la tête, on fait force de trous dans ma lune de miel. Ma bien-aimée ne m'invite plus à la fête quand elle va faire un tour jusqu'au septième ciel. Quand elle va faire un tour jusqu'au septième ciel. Oh,
péril de mon cœur, la malheureuse écorne le pacte conjugal et me le déprécie. Que je ne sache plus où donner de la corne semble bien être le cadet de ses soucis. Semble bien être le cadet de ses soucis. Les galants de tout poil viennent boire en mon verre. Je suis la providence des écornifleurs. On cueille dans mon dos la tendre prime verte qui tenait le dessus de mon panier de fleurs. Qui tenait le dessus de mon panier de fleurs. En revenant fourbu de la pêche à la ligne, je les surprends tout nus dans leur débordement. Conseille-leur le port de la feuille de vigne, ils s'y refuseront avec entêtement. Ils s'y refuseront avec entêtement. Souillez mon lit nuptial, est-ce que ça les empêche de garder les dehors de la civilité? Qu'on me demande au moins si j'ai fait bonne pêche, qu'on daigne s'enquérir enfin de ma santé. Qu'on daigne s'enquérir enfin de ma santé. De grâce un minimum d'attention délicate pour ce pauvre mari qu'on couvre de safran. Le cocu d'ordinaire, on le choie, on le gâte. On est en fin de compte un peu de ses parents. On est en fin de compte un peu de ses parents. À l'heure du repas, mes rivaux détestables ont encore ce toupet de lorgner ma portion. Ça leur ferait pas peur de s'asseoir à ma table. Cocu tant qu'on voudra, mais pas amphitryon. Cocu tant qu'on voudra, mais pas amphitryon. Partager sa moitié, est-ce que cela comporte que l'on partage aussi la chair et la boisson? Je suis presque obligé de les mettre à la porte, et bien content s'ils n'emportent pas mes poissons. Et bien content s'ils n'emportent pas mes poissons. Bien content qu'en partant, ces mufles ne s'égarent pas à mettre le comble à leur ignominie. En sifflotant, il est cocu de chef de gare, parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami. Parce que le chef de gare, c'est mon meilleur ami. Pas une syllabe de trop. 1958, Brassens, le cocu. Lors d'une grève, ceux qui veulent collaborer et continuer d'aller de travailler sont appelés les jaunes. Et pourquoi donc? Eh bien, d'après mes recherches historiques, j'ai trouvé que le premier syndicat jaune est officiellement fondé le 8 novembre 1899 à Monceau-les-Mines. C'est un groupe de mineurs qui refusent de participer au mouvement de grève. Et les grévistes s'en prennent alors à leur réunion. À leur lieu de réunion, le café de la mairie, ils leur jettent des pierres, ils brisent les vitres et ceux qui veulent travailler mettent du papier jaune. De là viendrait cette expression « les jaunes ». Donc les jaunes, ce sont ceux qui se désolidarisent des grévistes, ceux qui veulent continuer de travailler. Alors nous allons arriver avec un des grands 45 tours de l'époque punk. Et en fait, c'est un 45 tours jaune d'une certaine façon. Il s'agit du groupe Chelsea. Chelsea, c'est principalement Jane October. Chelsea, le groupe. Vous le connaissez? Non. C'est Chelsea. C'est parce que tu disais Chelsea. Ah oui, pardon, vous avez bien raison de rectifier. J'avais pas reconnu tout de suite et puis je me suis dit, il doit vouloir parler de Chelsea. Eh bien, c'est parfait. Ça fait plaisir d'être écouté quand même. C'est, voilà. Donc, ce groupe, avec Jane October, si vous voulez, Jane October, qui est un gars, un punk de la première heure et qui fait, disons, toute une série de choses et qui donc a fondé ce groupe. Et nous sommes à l'époque où il y a énormément de grèves en Grande-Bretagne, à Londres. C'est une période d'effervescence, de remous sociaux. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va sortir un 45 tours qui s'appelle « Le droit au travail ». Et le droit, le fameux droit au travail, c'est le droit pour les ouvriers d'aller travailler, malgré les consignes du syndicat. Et c'est une critique assez virulente des syndicats. Ça va être très, très mal pris. Et Chelsea ne fera pas d'autres disques. Et pourtant, ça reste vraiment
un des petits bijoux de la première époque punk. Alors, on y va, le droit au travail. Let's go. Hightower, le droit au travail, un disque qui a fait scandale à cette époque, la grande époque du punk, et quand même ça reste un des bijoux. Alors c'est un disque, il y a quand même, je voudrais dire un petit mot sur ici, un livre que vous connaissez peut-être, mais qui est fait par le Géant Vert, c'est l'histoire du punk en 45 tours. J'ai hésité longtemps à l'acheter, et figurez-vous que c'est quelqu'un que nous connaissons bien, que les habitués connaissent bien, qui en quelque sorte m'a un petit peu, même beaucoup influencé, c'est Catherine, que j'ai surprise un jour dans une librairie en train de l'acheter. Et je me suis dit, quand même, l'histoire du... c'est passionnant, c'est très très bien. Donc, il s'est fait par Géant Vert, qui est créé dans Rock et Folk, et qui est un des grands connaisseurs, un des authentiques connaisseurs du punk. Parolier. Alors, de Parabellum, d'ailleurs. Exactement, de Parabellum. Ouais. Le groupe de Michel Clou qui a sorti un disque étrange, Michel Clou Duo. Mais voilà le grand instant, vous me dites, mais quel est le nom de ce groupe? On veut obtenir ce groupe. Eh bien voilà, Jean Purefraise va dire le nom du groupe on avec accent cockney. Oui. Chelsea. Très bien. Alors moi j'enchaîne avec les Cherokees. Sur la BO de Bye Bye Blondie, film de Virginie Despentes, 1988. Alors, les Cherokees, donc c'est un groupe français qui a fait partie de la scène parisienne du milieu des années 80. Ah ouais, qui c'est a réinventé. Ouais, c'est vrai, on les connaît bien. Ils sont sympas. Très gentils. Ben voilà.
On va les écouter dans un instant. Je peux me permettre une petite remarque, ça devient très mondain cette émission. Oui, c'est très people. Très people, ça. Moi, je parle de mon ancienne fiancée Blondie, là, et tout ça. Et je pense que bientôt Jean-Paul va nous parler de sa passion avec Ella Fitzgerald. C'est absolument incroyable. Donc, vous écoutez les inspecteurs des people. Les inspecteurs des people, oui. Excusez-moi. Donc voilà, donc là nous on va écouter juste les Cherokees, Rock and Roll Control. C'était un extrait de la BO Bye Bye Blondie, Rock'n'Roll Control, par les Cherokees. Une très bonne surprise. Merci, voilà, avec plaisir. Merci beaucoup. Ouais. On change un petit peu d'ambiance, mais on reste dans les années 80 avec Philippe Charles Littmann, plus connu sous le nom de Snake Finger, qui était en quelque sorte le cinquième resident, si on peut dire. Il était souvent invité à jouer avec eux. Il a fait en tout cas plus de deux albums. Moi, j'ai deux albums plus une compilation. Enfin, en tout cas, il y a deux albums complets, dont un album Greener Postures. Et là, je vais parler de la couleur dorée
jaune comme l'or, avec Golden Goat, la chèvre d'or. Golden Goat par Snakefinger, mort hélas trop tôt en 1987. Bernard, je sais que ce n'est pas le moment, habituellement on le fait à la fin, mais je voudrais vous tendre un objet, et c'est un coquillage. Vous mettez ce coquillage sur votre oreille, et qu'est-ce que vous entendez ? Ben j'entends la mer, voilà. Et la mer, c'est le 15 juillet. C'est le 15 juillet, notre prochain thème de l'émission numéro 52, voilà. Les pêcheurs, les harengs, les... Les sirènes, surtout. Ah, les sirènes, ça c'est... Le Titanic. La Titanic aussi. Enfin, plein de choses. Voilà. Jean-Paul, je te passe bon, je passe la parole. Je dis trop de conneries. Enfin, le 15 juillet, la mer. La mer. La mer.
Alors, on a souvent dit dans cette émission que dans les chansons des années 20, notamment, il y avait beaucoup de double sens, etc. Mais il y en a à pas mal d'époques, et notamment dans les années 60, pour d'autres raisons, il y a plein de chansons qui ont été interprétées de 36 000 manières, souvent très loin de ce qu'avait voulu le compositeur au départ, qui ne savait d'ailleurs pas toujours très bien ce qu'il voulait. Il y avait des chansons comme ça qui étaient écrites un petit peu de manière aléatoire. Et souvent, c'était des allusions à la drogue, notamment à cette époque-là, qui étaient dans les interprétations. Et on va écouter une chanson qui a donné lieu à des tonnes d'interprétations, pas de thèse de doctorat, mais pas loin. C'est la chanson de Donovan, Mellow Yellow. Alors voilà, évidemment, bon, fatalement, on ne va pas faire le détail de l'analyse du morceau, mais il y avait notamment ce fameux couplet sur les electrical bananas, les bananes électriques. On revient sur les bananes, et on avait beaucoup à l'époque glosé là-dessus sur le fait qu'il y avait cette fameuse légende qu'on pouvait se défoncer en fumant des peaux de bananes, etc. Je vous dis tout de suite, ça ne marche pas, que ce soit bien clair. J'ai un peu essayé, ça ne marche pas. Je crois que j'avais essayé de raconter mon expérience aussi avec les peaux de bananes qui étaient vers l'échec total. Là-dessus, je vous remercie de passer Donovan. Il fallait qu'il soit dans cette émission. Mais en fait, les electrical bananas, c'était apparemment des vibromasseurs, et l'histoire racontait donc apparemment l'histoire de cette jeune fille Saffron qui utilisait un vibromasseur du nom de Mellow Yellow. Ça, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait correct, mais peu importe. Disons que c'est une interprétation subjective selon votre vécu. Voilà, tout à fait. Et donc, on est en la fin 66, et bon, voilà, il y a eu aussi toutes sortes d'histoires à propos de la présence ou non de McCartney dans les chœurs. Peu importe, Mellow Yellow. Just mad about Saffron. Well, Saffron's mad about me. I'm just mad about Saffron. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. About 14, 14's mad about me. I'm just mad about 14. She's just mad about me. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow. Quite rightly, they call me Mellow Yellow. A wind of velocity nil. Wanna have forever to fly. If you want your cup, power fill. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. Sudden grace, electrical banana. It's bound to be the very next phase. They call it Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow, quite rightly. They call me Mellow Yellow. They call me Mellow Yellow.
Donovan, Mellow Yellow, et pour la toute toute petite histoire, la petite partie de trompette était due à un trompettiste de jazz qui s'appelle Marvin Stamm. Et que l'on salue parce qu'on sait qui nous écoute. On reste dans la même époque, l'époque glorieuse des 60, où il y avait une créativité complètement folle. Je vous entraîne, toute l'histoire commence en 1966. Sur l'album Revolver, il y a une chanson qui s'intitule « Yellow Submarine », le sous-marin jaune, qui part, comment dirais-je, en traversant la Manche, va devenir le sous-marin vert. Et il sera plus tard un film. Je n'ai pas apporté le sous-marin jaune parce que j'étais persuadé que quelqu'un l'apporterait, mais j'avais envie de parler du film et de la bande originale du film, parce que là-dessus figure une chanson que moi j'aime beaucoup, « Hey Bulldog ». Donc c'est pour la bande originale du film. Il y a toute une musique de Georges Martin qui est totalement respectable et qui n'est pas mal du tout. Et puis des chansons connues des Beatles et des chansons des inédits la plupart du temps, parce que c'est des chansons qui avaient été enregistrées entre le 3 et le 11 février 1968 lors de sessions au studio Abbey Road. Et Bulldog s'est enregistré le 11 février 1968 avant le départ des Beatles pour rejoindre là-bas en Inde l'ashram du yogi dont je n'ai pas envie de dire le nom parce que je n'ai pas envie de faire aucune publicité. Ils se sont retrouvés là avec des tas de musiciens, avec Donovan, avec les Beach Boys, et le grand magouilleur yogi a réussi à leur soutirer pas mal de temps, et puis il a circulé un peu partout. Il a même fait des séances ici à Liège beaucoup plus tard. C'est une autre histoire. C'est une chanson assez importante que ce Bulldog, parce que dans beaucoup de livres sur les Beatles, on dit que c'est vraiment la fin d'un certain état de grâce, de bonheur. Les Beatles sont toujours heureux de jouer ensemble, de s'amuser. Et Bulldog, à l'origine, ça s'appelait Bullfrog. Donc, c'est qui est un gros crapaud, quoi. Oui. Et la sonorité de ce mot pousse tout d'un coup, alors qu'il enregistre, Paul à aboyer à la fin du morceau. Alors, éclat de rire général, et on décide de tout changer. Ça devient un bulldog, et on adapte les paroles dans la foulée. Ça se trouve sur l'enregistrement. Et l'ingénieur du son, qui à l'époque c'était Geoff Emerick, dit qu'il s'agissait de la dernière fois où il a vraiment vu les Beatles enthousiastes, dynamiques. Ils reviendront au studio plus tard pour faire un très beau disque, l'album blanc, mai 68, mais ça ne sera plus la même chose et bientôt ils vont se séparer. Donc c'est encore la grande époque de l'insouciance quand quatre copains se réunissent en studio pour pondre ce morceau que j'aime beaucoup et qu'on ne met pas parmi les grands des Beatles, et c'est bien dommage. Morceau qui fait rire, qui donne envie de danser et de retrouver son âme d'enfant. Point à la ligne et Bulldog. Thank you.
Beatles s'amusent, période psychédélique, et Bulldog, qui sera dans la bande originale du film inspiré par une de leurs chansons, Le Sous-marin jaune. Ça fait plaisir de voyager dans ces eaux-là. Oui, après les Bulldogs et les Bullfrogs, moi je vous propose un Bull tout court, sur un t-shirt jaune. Le t-shirt porté par un des héros, un des personnages principaux du film Elephant de Gus Van Sant. Donc t-shirt jaune flashy noir. C'est vrai, magnifique, une image qu'on a presque. Qui reste normalement en tête, mais apparemment. Mais j'ai pas vu le film donc. Donc aussi Palme d'Or à Cannes pour le et prix de la mise en scène. Donc, et les fans de Gus Van Sant en 2003, et alors un peu de musique classique, puisqu'on n'en passe pas assez, apparemment, dans cette émission. On n'a pas dit assez, on a dit qu'on en passait rarement. Non, pas assez, donc, Ludwig van Beethoven, sonate au clair de lune. Thank you.
l'amicale des mangeurs de canaris présente la séquence animée d'Inspecteur Derif et c'est Bernard qui démarre. Ouais, je reste un peu dans les bananes et les japonais avec Melt Banana, ce groupe japonais formé en 1992. J'avais déjà passé un morceau de ce groupe-là, c'était une reprise des Beach Boys. C'est assez étonnant, ils font aussi des reprises des Beatles, de Blondie, Toots and the Maytals, mais quand on connaît leur musique assez noisy, ça peut paraître paradoxal. Et là, je vais mettre un petit peu de rouge avec un morceau qui s'intitule Ketchup Mess. Bah c'est vrai que ça pourrait illustrer une bataille de ketchup, hein, ce ketchup mess des Melt Banana. Sur le label Tzadik de Judge Johnson. Que Jean-Paul connaît bien. Alors maintenant, on va écouter du pur liégeois, dans tous les sens du terme. C'est un document, je ne pense pas qu'il soit jamais passé en radio, bon, il y a peut-être des raisons à ça. Ça a été enregistré ici à Liège en 1984. Et donc, s'il y avait un endroit allumé fin des années 70, début des années 80, ce qui n'a plus été par la suite, c'était Rotur, où il se passait quand même énormément de choses. Et il y avait en Rotur un bistrot qui s'appelait la Maison Jaune. Certains se souviendront peut-être. Et qui ce bistrot, c'était assez amusant parce qu'au départ, il semblerait qu'il ait été créé pour avoir un petit endroit un petit peu plus chic dans la rue, etc. Et c'est devenu complètement le contraire. C'est devenu vraiment l'endroit où se retrouvaient tous les plus lumineux losers de la ville. Et, enfin, j'y ai passé beaucoup de temps, je peux vous en parler. Ah, vous êtes un lumineux loser de la ville. Ah. Et, non, mais c'est vrai que ça faisait parfois un peu cours des miracles. Bon, il y a eu un certain moment de la Maison Jaune. Et le bar a été tenu longtemps par un personnage qui était un des grands personnages du jazz liégeois qui s'appelait Georges Leclerc, hein, donc le grand Georges, bassiste, contrebassiste, mais qui n'avait plus les moyens de s'acheter une contrebasse, donc il jouait de la basse électrique, qui la tenait comme une contrebasse verticalement. Et on va entendre Georges Leclerc qui accompagne un autre énorme animé liégeois qui s'appelle Jacques Bernimolin. Jacques Bernimolin, c'est un quoi, on ne sait pas très bien dire, c'est un touche-à-tout un peu. Un touche-à-tout un peu au sens où on dit que Boris Vian est un touche-à-tout, il était poète, il dessinait, il peignait, il a fait des tas de choses. Il était dans tout l'accompagnement de tous les musiciens. Et il a fait dans ces années-là toute une série de textes qui étaient souvent des collages, soit de publicité ou d'extraits de journaux, et qu'il interprétait de manière un peu rap ou pré-rap, je sais pas comment il faut dire, et c'est assez particulier. Alors, le son n'est pas très bon, c'est une prise de son qui a été faite un peu sur le vif, comme ça, au lion sans voile. Il y a donc Jacques Bernimolin qui rappe, on va dire. Georges Leclerc est à la basse, bon, je ne vais pas vous le cacher, je suis au piano, et il y a alors aussi, mais très très loin derrière, un autre poète liégeois qui s'appelle Jean-Pierre Dobels qui fait des percussions, et en ouverture, avant ce morceau qui s'appelle Long Ago, un petit extrait, un petit clin d'œil à mon voisin de gauche, un extrait du monocle Voix Jaune, puisqu'il n'a pas pensé à la porter avec Paul Meurice, la séquence qui se passe dans la fumerie d'opium, et on entend d'ailleurs que la voix de Paul Meurice devient un petit peu plus, comment dire, plus légère au fil de cette petite séquence. Si on tend bien l'oreille, on entend un peu l'opium qui grésille dans la pipe. Voilà. Monsieur Payne-Tumsey, oui. Voulez-vous me permettre de me présenter, professeur Perceval,
de Digne. Je suis français. Très honoré. J'aurais voulu vous entretenir de M. Bergourian, avec qui j'ai voyagé. Faites-moi le grand honneur de prendre place à mes côtés. Seul le fou pourrait être sage en cachant son âme véritable. Si vous me disiez la vérité. Très volontiers. J'avais repéré Bergourian et je sais pourquoi il a été abattu. Ses maîtres ont sans doute jugé opportun de supprimer une piste qui pouvait me mener jusqu'à eux. Vous seul maintenant pouvez m'aider. Qui sont-ils ? Ceux qui, dans quelques instants, vont me tuer et vont vous tuer. Voilà, ambiance roture, Lyon s'envole, 1984, un petit hommage à mon ami Georges Leclerc. Jean-Pierre Ferland est un chanteur québécois, mais on est très très loin de Félix Leclerc. Alors, il y a des disques, on a déjà longuement parlé ici dans Inspecteur de Riff, il y a des disques qui se mélangent à l'existence, à la vie, à des circonstances, à des rencontres. Il y a aussi des disques que l'on poursuit très longtemps avant de les trouver, avant de les avoir en main.
À la base, c'est une chanson que j'ai découverte dans une maison communautaire rue Pierreuse, il y a bien longtemps, et c'était une cassette d'ailleurs, avec une très belle illustration peinte par un des membres de la maison, et c'était un chat qui dormait près d'une fenêtre sur un fond totalement jaune. Le disque s'appelle d'ailleurs Jaune. Et cette chanson, il y a une chanson qui m'impressionnait et qui a été reprise plus tard par exemple, Charlotte Gainsbourg. C'est Le chat du Café des artistes. Ce disque, je l'ai enfin trouvé, après bien des recherches. Et je voudrais, disons que c'est un disque un peu culte pour un nombre de personnes. C'est un disque vraiment qui est sorti à la fin des années 60 et c'est une perfection d'orchestration, de trouvailles. C'est très étonnant. Jean-Pierre Ferland est comparé souvent à Serge Gainsbourg. Et en plus, tous les deux avaient une manière de consommer l'alcool qui, disons, pouvait s'avérer parfois tragique. Au dos du disque, il y a un joli petit texte qui est cité de Sainte-Beuve. C'est une lettre à Mademoiselle Volant et je vous lis ce petit texte. Une seule qualité physique peut conduire l'esprit qui s'en occupe à une infinité de choses diverses. Prenons une couleur, le jaune par exemple. L'or est jaune, la soie est jaune, le souci est jaune, la bile est jaune, la lumière est jaune, la paille est jaune, un fou tient dans sa main un brin de paille jaune et luisante, écrit qu'il a saisi un rayon de soleil. De l'autre côté, la photo de la pochette, ben c'est une espèce de champ de blé, de tournesol, presque une toile de Van Gogh qui lui aussi a beaucoup déliré dans le cadre de la couleur jaune. Alors cette chanson est un peu crépusculaire, mais c'est vraiment quelque chose de très beau et de très touchant. Mais c'est sur la mort. Que va-t-il donc se passer quand un artiste eh bien, se suicide? Peut-être que son rêve, c'est de revenir en tant que chat dans le Café des artistes. Jean-Pierre Ferland, tiré de l'album « Jaune ». Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Quand on ne rit plus, c'est qu'on ne vit plus. Quand j'aurai coupé la ficelle, mettez-moi dans une poubelle. Laissez-moi pesanter de là, jetez-moi au chat, qu'il refuse ma rate et mon poids, mais choisissez l'heure pour qu'il me mange le cœur, que je reste encore avec vous, sur vos épaules et vos genoux, que je sois, puisqu'il faut qu'on existe. Le chat du Café des artistes. Et si le pain vient à manquer, je serai là, et n'hésitez pas, brisez-moi les pattes et le cou, et puis mangez-moi, à même le chat. Ce ne sera pas la première fois qu'on aura mangé un artiste. Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Quand on ne vit plus, c'est qu'on ne vit plus. Quand il a coupé la ficelle, quand la vie a coupé. Et puis
comme ils oublieront ma tête et mes chansons. Ce ne sera pas la dernière fois que l'on oubliera un artiste. Le chat du Café des artistes Jean-Pierre Ferland, tiré d'un album superbe qui s'intitule Jaune, tout simplement. Si jamais vous voyez ça dans une brocante, dans une foire, n'hésitez pas à l'acquérir, ça vaut vraiment. Ah ouais, rien que pour le morceau, le ça coup. Vaut le, l'achat, quoi, je pense. Ah oui, oui, c'est. Et il y en a d'autres aussi qui sont très bien, mais malheureusement, je ne peux pas tous vous les passer. Pas pour l'instant. Donc mais... ça va faire long. Ah oui, il faut signaler que les voix c'était. Non, rien. Les voix c'était les petits chanteurs de Mont-Royal. Oui, à ça on pouvait remarquer leur présence dans ces terribles arrangements, on peut dire. Oula, qu'est-ce qui est passé à Charline? On ne t'entend pas. Oui, Charline, votre voix envoûtante n'est pas parvenue à mon cerveau. Es-tu là, Charline? Oui, oui. Change un peu de micro, parce que ton micro ne répond plus. Voilà. Problème technique. Merci. Donc, après les petits chanteurs, nous allons avoir les Munchkins. Donc, les Munchkins, c'était les petits personnages qui se trouvaient dans Le Magicien d'Oz de Victor Fleming en 1939. Et donc ici, on va suivre Dorothy qui emprunte la route jaune aux briques jaunes. Et voilà, donc Follow. Elton John refera un album là-dessus. Tout à fait. Donc Follow the Yellow Brick Road. 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 Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road. You're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. You'll find he is a wizard of wiz, if ever a wiz there was. If ever, ever a wiz there was, the wizard of Oz is one because of the wonderful things he does. You're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Un petit mot de désannonce peut-être, Charline, je ne sais pas. C'était Follow. On a récupéré le bon micro. Court-circuit. Donc c'était Follow. Follow the Yellow Brick Road. Le magicien d'Oz, Victor Fleming, 1939. Trois micros.
micro plus le petit carillon de la cathédrale, voilà. Le générique de fin de d'Inspecteur des Rives vous indique évidemment qu'on est quasi rendu pour cette session. Vous pouvez réécouter cette émission sur les ondes de 48 FM ce jeudi à entre 10 et 12 heures. Et puis on n'oublie pas aussi le podcast sur radiorectangle.com avec un mois de latence, Bernard. C'est bien ça. Tout à fait. Voilà, et c'est d'ailleurs toi, Bernard, qui va. Le 15 juillet, la mer. Le 15 juillet, la mer. Prochain rendez-vous avec cette équipe. D'ici là, évidemment, le 1er juillet avec l'équipe des Chirous. Et Bernard termine la session. Oui, avec Guitar Wolf, encore des Japonais, qui nous interprète brillamment Fujiyama Attack. Tu voulais dire bruyamment, c'est ça? Oui, tout à fait. 1, 2, 3, 4! Would you ever pack? Would you ever pack? Would you ever pack? Would you ever pack?